Salut tout le monde et bienvenue pour ce premier duel FDJ, Loterie Suisse Romande. C'est parti. Pour ce premier duel, on a 3 astros et 2 bingos. Parce qu'avec, j'ai pris un chanceux. Alors me demandez pas pourquoi j'ai pris ce ticket, j'en ai pas la moindre idée. Eh, va savoir. Si ça se trouve, c'est un signe et je vais décrocher du lourd. Et en regardant d'un petit peu plus près ce ticket, on s'aperçoit que c'est quand même celui qui s'approche le plus près de la vérité. Eh oui, en fait, qu'est-ce qu'on nous conseille? C'est de gratter la galaxie. Qu'est-ce que c'est une galaxie à la base? C'est une énorme structure avec un gigantesque trou noir au milieu qui pompe tout. Mais revenons à notre duel. Proposé par joueur sans voix. J'espère que tu vas m'amener la chance. Allez, c'est parti pour le duel et j'espère que ça va saigner. Avec des gains dans le genre 100, 500 et 1000 balles. Ça serait un petit peu cool de changer de niveau et de gagner autre chose que des 10, des 6, des 8 et plus régulièrement. C'est parti pour ce premier ticket du premier duel avec un astro gémeau. Est-ce qu'on a meilleur temps de gratter les gains tout de suite ou on gratte d'abord les étoiles? Non, on va gratter les étoiles. Donc pour gagner à ce jeu, c'est tout simple, il faut découvrir deux fois le signe du Gémeaux ou de qualité. J'aurais pu mettre les défauts aussi. Allez, on commence. Première étoile. Bon, je pense que c'est la grande ours, un truc dans le genre. Alors, on continue. Là, on y va. Là, qu'est-ce qu'on a? On a compréhensif. D'accord, c'est tout à fait mon cas. Hein. Ensuite, je continue avec une longue vue. Ah, ok, donc il n'y a pas que des signes astrologiques. Hein. Ils mettent aussi des objets bidon. Alors, on enchaîne avec adaptable, d'accord. C'est une qualité. Hein. Là, on a la planète Saturne. Voilà. Et puis, on continue avec enthousiaste. Bon, alors ça, c'est moi quand je gratte les tickets, hein, c'est clair. Je suis toujours hyper enthousiaste. Et là, on a un gémeau. Alors, waouh. Alors, du coup, ce qu'il nous faudrait sous l'autre étoile, c'est forcément un seul gémeau. Alors, on y va, on attaque. On a un. Ah, mais non, là, c'est forcément une qualité. Bon, bah, voilà. Donc, pour le premier ticket de la FDJ, c'est mort. On enchaîne avec un ticket de la Loterie Suisse Romande. Ah, j'ai trouvé que ça serait plus sympa de faire ça style tir au but. C'est chacun son tour, en fait. Alors, on y va. On commence direct. Premier jeton, un 38. Alors, on n'a pas de 38. Un 9. On a un 9. Alors là, c'est plutôt cool. Un numéro, ça nous fait déjà 5 balles. Ensuite, on a le 26. Je vois pas de 26. On a un 22. Je vois pas de 22. Je vois un 21. C'est moche. On continue avec le 41. Allez, ça serait bien qu'ils nous mettent un deuxième petit numéro. Et on va enchaîner avec... Merde, c'est le code. Oh, les salauds. Ah, mais attends, il y a le numéro au milieu, là. Voilà, pardon. Alors, oui, on avait aussi le 30. Voilà. Là, je veux pas être mauvaise langue, hein, mais bon, ils mettent un jeton, puis dessous, ils mettent le code. Bref. On enchaîne avec le deuxième astro, qui reste un gémeau, puisqu'on m'avait demandé des astros gémeaux. Alors, c'est parti. Première étoile. On a une soucoupe volante. Bon, pourquoi pas. Drôle. On a un satellite, je pense. Tiens, on dirait Spoutnik, d'ailleurs. Ensuite, on a expressif. Bon, on a une grande ours ou une constellation. On a raisonnable. Et puis, on a encore un gémeau. Donc, Bah, d'après ce que j'ai compris par rapport à l'autre, c'est le nouveau baiser, quoi. Je gratte quand même. Ah non, parce qu'on peut avoir une qualité. D'accord. Alors là, on a raisonnable. Ah, mais je l'ai là, dis donc. Bon, alors, hop, on a un gain. Alors, c'est parti. On va gratter ce gain tout de suite. Bon, on a 2 euros. On enchaîne avec le deuxième ticket de bingo. Avec le 52, on a le 51. Bon, le 35, on a le 36. Ok. Le 44, on a le 45. Bon, est-ce qu'ils vont me faire ça pour les deux derniers? Le 23, on a le 22, c'est formidable. Allez, et le 18, qu'on n'a pas. Bon, bah pour ce ticket de bingo, c'est cuit. On passe maintenant au dernier ticket d'astro. Première étoile, un soleil. Deuxième étoile, sage. Ensuite, on a déjà un gémeau. Wow. Alors là, c'est cool. Allez, on est plein d'espoir avec des brouillards. Le Spoutnik, qu'il y a de nouveau. Drôle. Ouais, je sens qu'on va la trouver beaucoup moins drôle dans un moment. Une fusée et... flexible. Ok. On touche à la fin de ce duel avec le dernier ticket de la Loterie Suisse Romande, le chanceux. Alors, j'espère qu'il va nous rapporter quelque chose de gros, histoire que je comprenne pourquoi je l'ai pris. Donc, le but est de gratter la galaxie pour essayer de retrouver le numéro 5. Et comme c'est indiqué en dessous, pour chaque numéro 5 trouvé, vous gagnez le montant indiqué en dessous.
Alors, on va déjà essayer d'en trouver un. Ça sera déjà pas mal. Allez, on y va. On gratte. La galaxie. Un numéro 5 pour commencer. Waouh, alors là, j'étais plutôt mauvaise langue. Donc, on gratte tout de suite le gain parce que sur ces tickets, c'est le bordel. Avec 5 balles. Alors, waouh, c'est plutôt cool. Alors, on continue. Combien? Alors, un autre numéro 5? Non, un numéro 3 avec les 30 000. Bon, j'enchaîne avec un numéro 8. Est-ce qu'il y en a par là? Oui, il y en a aussi par là. Ah, dis donc. Alors, un numéro 9, un numéro 1. Alors là, c'est le code barre. Donc, ils l'ont mis en plein milieu. Là, hein. Ils se sont dit, bon. Alors, un numéro 6. Oh, j'ai presque cru que c'était le numéro 5 qui sortait. Hein, avec un 30 000 dessous, quoi. Oh là là. Là, j'aurais passé un été plutôt sympa. Bon, on continue. Ah non, ça, c'est pas un numéro. Allez, encore un petit, là. Soyez sympa. Bon, le numéro 4. Voilà, donc voilà, hein, je fais le tour vite fait parce que là ça a l'air d'être bon. Donc bah là c'est plutôt cool. Le chanceux vient de me rapporter 5 balles. Alors, constate ce premier petit duel. Pour l'instant, loterie suisse romande, 10 balles, FDJ, 2 euros. Sur ce coup-là, j'avais misé 15 balles et je récupère 10 plus 2 euros. Ce qui me fait approximativement une perte de 2 francs. Donc bah c'est plutôt pas mal. Et le mec il est content d'avoir perdu 2 francs. Voilà, c'est fini pour ce premier duel. J'espère que ça vous aura plu. Dites-moi si vous voulez qu'on continue. Lâchez-moi un petit pouce bleu. Et à bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, ciao!